Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en course des nations sur le circuit de Kyoto, pardonnez-moi, et j'ai pris la Sirocco, voilà. Je veux me battre à armes égales, comme vous l'avez dit dans les commentaires, je vous ai écouté. De pas me priver. Donc voilà, de faire comme les autres. Donc voilà, c'est ce que je fais. J'ai signé le cinquième temps en 1,4900 et quelque chose. D'habitude je fais mieux, je fais 1,4600. Bon. Il n'y a pas de grosse différence, mais bon, ça va, ça m'aurait peut-être valu une petite place au-dessus du cinquième, par exemple deuxième, voilà, j'aurais pu être deuxième. Mais bon, les qualifs ont été assez durs, mais dans l'ensemble, ça va, ça s'est bien passé. Au début, quand tout le monde est sorti des stands, ça a été un peu la cohue, mais bon. Après, j'ai ralenti, j'ai laissé passer tout le monde, et puis j'ai fait ma qualif de mon côté. Donc, voilà, Sirocco, Tronc Mégane sur cette piste. Pardonnez-moi. Voilà, hein, de toute façon, moi ça m'attriste. Sincèrement, ça m'attriste que les gens puissent. On voit tout le temps les mêmes voitures. Après, ce qui m'énerve, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que ce qui m'énerve, c'est que les gens, ils râlent. Ils ont râlé quand Gran Turismo Sport est sorti en disant, ouais, le jeu. Il est pas bien, il manque du contenu, il n'y a pas beaucoup de voitures par rapport aux autres Gran Turismo, c'est dégueulasse, c'est patati patata. Mais ces mecs, c'est les premiers à prendre que les bonnes voitures. Ils roulent toujours avec la même voiture. Alors pourquoi tu râles? Pourquoi tu râles qu'il y a 150 voitures ou 180, je sais plus, et que tu roules tout le temps en Mégane ou en Sirocco ou en RCZ ou en Beetle? Pourquoi tu râles tout le temps? Alors putain, mais. À ce moment-là, prends une autre voiture et fais comme tout le monde. Mais non, voilà. Tout le monde prend une Sirocco, une Mégane. Il n'y a que ça sur la piste. C'est frustrant. Sincèrement, c'est vraiment frustrant. Moi, je suis attristé parce que j'espère qu'ils vont arranger ça. Parce que faire des courses et on voit que ça, ça sert à rien. Autant faire une Cup Mégane ou une Cup Sirocco. Hein. À ce moment-là, ça irait plus vite. Hein. Allez, c'est parti, les amis, pour 8 tours. On met le son à fond pour être en immersion. Mon objectif du jour. Je vais dire un top 5. Allez, soyons fous. Les deux Français. Non, c'est un Français devant, un Italien et l'Autrichien. Et deux Espagnols derrière moi. Mais la Mégane est plus rapide que la Sirocco normalement en ligne droite. Et la Sirocco rattrape dans les virages. Elle est plus agile. Et bien sûr, je vais essayer toujours d'être un peu plus agressif, mais tout en restant prudent quand même. Wow, wow, wow. Je sais pas ce qu'il a fait l'Autrichien tout à l'heure sur son freinage. Bon, il va me repasser devant. Ça se bat entre l'Espagnol et l'Autrichien devant.
coup, j'ai perdu du temps. Fais chier. J'ai coupé la route à l'espagnol. Ah la vache, la bosse. Allez, on est bien pour le moment. Quatrième. On est à mi-course et j'ai signé le meilleur tour. Elle a été correcte, l'espagnol derrière. Voilà, la poursuite de l'Autrichien Xuv. Non, Suv, Suf, je sais pas comment on dit.
Tu me fais perdre du temps. Mais un peu poussé. Allez, troisième. J'ai une conduite un peu plus agressive par rapport à avant. Oh putain. Allez, on est au sixième tour. Ça me fait peur les deux derrière. Là. Avant-dernier tour. Merde. Oh putain. C'est moi qui prends la pénalité, alors c'est lui qui me fonce dedans quoi. Oh la boulette que j'ai fait. Ah c'est pas grave. Du coup ma voiture a été endommagée à l'arrière et à l'avant. Chien qui est sorti. Bon allez, dernier tour, je suis sixième. Bon, ça a été une bonne course dans l'ensemble. Mais bon. Fait chier. Top 5 était faisable, et bah voilà. Je sais pas comment j'ai fait pour louper ce virage. Une seconde de pénalité, bon ça va, j'ai largement d'avance par rapport aux Français derrière.
Bon, tant pis. Je suis ni 8ème. Pourquoi j'ai attendu? Putain, j'étais 6ème. Mais pourquoi j'ai attendu? Ah, l'erreur de la fin. Ah, fais chier. Ah, putain, je suis dégoûté. Je suis ni 8ème, quoi. Alors que j'étais 6ème. 2 secondes de pénalité. J'étais à plus de 2 secondes. Franchement, j'aurais jamais dû m'arrêter, mais on m'avait dit dans un commentaire, enlève tes pénalités avant la fin de la course. Donc c'est ce que je voulais faire, elle s'enlevait pas, donc je ralentissais, ça marchait pas. Et du coup, bah voilà, putain, je suis deg. Oh, mais je suis dégoûté, quoi. Enfin, c'est pas grave.